Oula, ça a l'air bordélique ici. J'ai mis une armure qui me permet de prendre 0 dégâts, mais par contre mes points de vie ils se réduisent non-stop jusqu'à arriver à 0. Mais ça va pas tarder. Bonsoir Arashiki, merci pour le raid, c'est sympa. Donc cet équipement, ce sera vraiment, si ça passe pas autrement, on verra. On verra carrément. Après, j'ai encore toujours une baisse de statistiques. En raison de... des spécialités qu'il y a ici. Ouais, je perds quand même énormément. Hein. De 3400 d'attaque, je passe à 2500. C'est pas fou, hein. J'ai pas aimé la version PS1 de ce jeu, mais je kiffe ce remake. J'avais eu beaucoup de frustration dans la version PS1, et je kiffe ce remake aussi. Vraiment, il est terrible. Ah oui, ça marche comme ça, en fait, ça. Ok, on va d'abord ramasser le coffre. Hein. T'es au début? Oh là, d'accord. Ah non, c'est fermé ici. L'arnaque. Et j'ai pas toutes les couleurs en fait là-dedans. Oh les coquins. Bon, je vais essayer de l'autre côté du coup. Là, il y a du rouge. Ah mais attends, les couleurs elles suivent ou quoi? Je suis pas sûr. Hein. Ah c'est déjà sur bleu. Malgré ça j'ai pu ouvrir le rouge. Je comprends pas trop la combinaison là mais bon, ok. Là il faut... ok, rouge et vert. Je crois que je commence à comprendre. Tu le fais en mode univers. Bon bah ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc là faut jaune et bleu. Là, comment je vais récupérer les jaunes ici? Ah oh, c'est une vraie galère cet endroit. Le jaune il n'y a pas ici déjà. Ça règle le problème. Ouais ça tape dur. Si bleu c'est pas mal. Ouais, c'était pas fou ce bouclier. Comment tu fais pour avoir Ashton? Il faut que tu fasses la petite mission qui te dit d'aller à Silva. Ils ont pas l'air enclins à se déplacer ceux-là. Donc cette salle c'est bon, à droite c'est rouge et bleu. Rouge c'est ok mais ça va repasser en vert là. Le bleu ça va être bon. Ah bah je peux remettre du rouge ici, c'est parfait. En fait c'est plus simple que je pensais.
c'est au début du jeu, c'est pas très loin. En fait, tu vas d'abord passer Silva, t'es obligé d'y passer de toute façon. Et un petit peu plus loin sur un port, sans te dire trop ce qu'il en est. C'est à ce moment-là que tu pourras avoir cette quête. Pareil, tu peux pas la louper, t'auras forcément le personnage qui va te parler. Attends, quoi? Pourquoi c'est pas mieux que ça? Ah. Ça c'est 1210, d'accord. Bon, après je perds un petit peu de défense. Ouais. Par contre en crit elle est peut-être meilleure. Hein. Non, c'est la même. Bon bah je garde celle que j'ai. Qu'il y a un coffre en bas, mais je pense que je vais avoir besoin des salles là pour ouvrir celle du dessus. Alors rouge et jaune, rouge c'est là aussi, c'est bon, jaune c'est bon. Est-ce qu'il faut commencer le jeu avec Rena? Bah ça dépend de toi. Il n'y a aucune obligation. Hein. L'un n'est pas mieux que l'autre. Attends, c'est quoi cette arnaque? Là, c'est quelle couleur? Là, c'est bleu. J'aurais pu y aller. Ah ouais, d'accord, faut tous les activer. Bleu et vert. Et ça doit être ça. Là, il y a du bleu. Le vert, il est au-dessus. Je pense que ça va le faire. J'espère. Ah, tu parlais pour Ashton. Est-ce que tu peux l'avoir avec Claude? Oui. Avec Rena aussi. Je crois que c'est avec les deux. Hein. Ouais, ouais, tu peux les avoir avec les deux. Tu peux l'avoir avec les deux. Alors, je suis à quel niveau? Niveau 6 sur 9. Ah. Bonsoir Jeff, un peu en retard, c'était soirée de cheeseburger maison. Il n'y a pas de retard ici mec, il n'y a que des gens à l'heure. Sois le bienvenu. Je suis à peu près à 35 heures de jeu. Le jeu n'est pas très long. Par contre si tu veux tout faire, il est beaucoup plus long que ça. T'as un donjon optionnel aussi qui est assez costaud si tu veux le finir vraiment... de fond en comble, c'est recommandé, niveau 200 plus. Tu vises le 100%? Bah dans ce cas, t'en as pour un paquet d'heures. D'après, c'est des heures de plaisir, c'est pas des heures chiantes, quoi. Toutes les fins? Ouh là là! Ah oui! Et t'en as 80 et quelques, hein. Je préfère te le dire. En vrai, c'est pas très utile cette bouffe. Se prendre la tête outre mesure.
J'ai commencé avec Reyna. J'avais fait l'original avec Claude. Donc c'était l'occasion de faire autre chose. Est-ce que j'ai monté toutes ces skills à lui? Ouais. Ah, c'est à ceux-là que j'ai pas augmenté. Là par contre, je vais peut-être changer un truc quand même. La défense c'est bien. Et l'étourdissement, c'est bien aussi. Oh le con, je suis remonté sur ma sauvegarde. Bon, on pourra quand même quitter les lieux, mais disons que généralement je garde toujours une sauvegarde de la veille pour le cas où. Je vais désactiver un truc cette fois. Je vais pas faire le fou. Je vais désactiver l'entraînement. Comme ça, je récupère mes statistiques. T'inquiète pas, après, c'est facile de monter les niveaux. Chisamara-ga-koko-made-kita-to-yu-koto-wa-mo-haya-nokori-no-jukken-ja-wa-kono-so-da-otonashiku-kannen-shiro-so-ka-shinda-ka. Donc lui c'est Lucifer. どういうことだ。これであとはガブリエルのやつさえ殺せば全宇宙は私のものだ。 Alors là, il se met le doigt dans l'œil, hein, quand même. Masaka, wazato nakama o korosaseta no ka? Oh, soyeba, mada ikite ita no datta na. Kisamara, tegoma toshite hontou ni yoku umoite kureta. Obi o yaranakereba ikan na. C'est quoi ton code auto-loot? Je vois pas ce que c'est. Nani ga hoshii? Kane ka? Sore tomo chii ka? Dore mo fuman sou da na. Allez, c'est parti. Lui, c'est une autre paire de manches. Hein. Déjà, il a pas de bouclier. Si. Wow, ma Ken. Je crois qu'elle est en train de me raise. Ouais. Oh, le sort de Zinzin. Ah si, il y a l'autoloto. Allez, le bouclier va sauter. Non, ça veut pas. Ah, si.
Ça marche à plus tard. Oula. Ouais, ben je le dis, hein, Gabriel est quand même au-dessus. Hein. Oh, c'était quoi ça? Il m'a fait un truc chelou là. C'est balèze, mais l'autre il est tellement pire. あと少し、あと少しなのだ。もうすぐ全宇宙が私の手に落ちるというのに。 En fait, la grosse difficulté, c'est pas tellement qu'il tape fort, c'est qu'on a une limite de points de vie, évidemment, hein, c'est 10 000. Et que leur sort et leur coup, des fois, ben ils te mettent à la limite de tes points de vie max. Ouais, pour le dernier, j'aurai de quoi monter ça à fond, c'est cool. Logiquement, pas ça par contre. Ça, c'eût été bien parce que je crois qu'il a une énorme esquive. Hein. Et ça permet de placer justement des coups quoi qu'il arrive. Hein. Bon, on va voir. Je suis pas encore en haut. Hein. En route, il nous reste du coup 3 étages à parcourir. Ça pourrait le faire. On va remettre le truc de tout à l'heure. J'ai bien fait d'ailleurs pour le désactiver pour le boss. T'étais hardcore hein, si je l'avais pas fait. Sentinelle, c'est bon. Reconnaissance, on va chercher les ennemis un peu. Ça va faire mal.
Je crois que le bestiaire il change un petit peu ici. Ceux-là ce sont clairement les ennemis les plus dangereux. Hein. Combien je possède de consoles? C'est une bonne question. Un petit paquet, mais il y en a plein que j'ai pas, que j'aurais aimé avoir. Alors évidemment, quand elles sont sorties, maintenant ça a plus autant d'intérêt. Il y a une console que j'ai toujours souhaité avoir et que j'ai pas pu avoir, c'est la Dreamcast. Sinon, je crois que j'ai toutes les consoles de Sony. Ouais, je suis même sûr. Enfin, toutes celles qui sont entre guillemets connues. Genre toutes les PSX. J'ai aussi la Series X, mais je m'en sers jamais. Bon, elle fait quoi, Reyna, là? Faut m'enlever la paralysie, en fait. Oh là là. Ah, il nous a bloqué nos sorts, j'ai rien dit. Reyna va rien faire du tout, en fait. J'ai été un médisant personnage. Tellement de jeux sur PS2 que la mienne ne fermait plus, usée jusqu'à la moelle. Ah oui, donc t'avais une Slim, c'est ça?
Parce que la PS2 d'origine, si je dis pas de bêtises, c'était un truc à... Ah non, elle aspirait pas les disques. Voilà, c'était un tiroir, effectivement. C'était un tiroir. Je vais désactiver quand même un truc là. Hein, parce que sinon, pareil, je vais pas avancer. Puis niveau 140. Là, ce stade, ça sert plus à grand chose de plex davantage. Hein. Ça me rendra pas vraiment plus résistant, je pense. Il y a une console que j'aimais beaucoup, c'était la PSP. J'aimais beaucoup parce qu'en fait, je faisais tourner des émulateurs dessus. Donc pouvoir jouer à Xenogears. Et ça, il y a très très longtemps. Hein. Parce que maintenant, tu peux le faire, évidemment. Mais pouvoir jouer à Xenogears en mode portable, c'était le feu pour moi. J'ai acheté la Saturn à Paris à sa sortie. J'ai eu l'occasion de jouer sur Saturn, mais je l'ai jamais eu. C'était une console incroyable aussi. Hein. Alors, il me semble qu'il y a encore un petit casse-tête avant d'arriver en haut. On va voir ça. Là, je me dis quand même que ça devrait passer parce que sur Lucifer, même si j'ai eu des morts, il est descendu relativement vite. Le combat n'a pas duré très longtemps. Et c'est ça qui compte en fait parce que je mise sur les objets que j'ai en ma possession. Ah mais ça je reconnais. C'est la fin. Je crois que c'était le premier pad avec un stick sur console. Ah ouais? Alors c'est la fin je crois mais... Est-ce que c'est vrai? On va quand même voir ce qu'il y a par ici parce que... C'est pas anodin ça. Pourquoi les coffres ils sont déjà ouverts? Je suis venu jusqu'ici moi? Je crois. Bon, ceux-là, je sais qu'ils payent au niveau XP. Autant utiliser une carte. C'est quand même un petit 300 000 là. Ouais, je suis déjà allé ici. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire par là. Bon, on verra. Bah non, c'est bon en fait. Bon, bah let's go. そして、エクスペルのみんなのために、あなたを倒します!
ほう、威勢だけはいいようだ。だがもう遅い。すでに崩壊紋章は完成した。これ以上の悪あがきはやめろ。残ったのはもうお前一人だけだ。悪あがき、もう一人だったら何だというのだ。全ては私だけで十分だ。他の9人はいてもいなくても関係ない。さてフィリアよ、ゆっくりと楽しむとしようか。こいつらをひねりつぶし、その断末魔の叫びを破滅への助曲としよう。Il n'y a pas eu le rire, je suis déçu. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est le même sort que l'un des autres sages. On a déjà vu, c'est pas trop un problème. Par contre, il enchaîne les sorts, lui. Du coup, il faut que Reyna, elle enchaîne vite. Pour l'aider, on va balancer... Ah mince, j'aurais dû les dédoubler, celle-ci. Enfin, les copier. Bon, c'est pas grave, je dois avoir un truc dans le même genre. Peut-être. Ouais, j'ai ça. Bon. Je vais lancer les sorts à la main, de toute façon. Trop stylé. J'ai failli faire une petite bêtise, hein. On a un mort. Oh, il enchaîne. Oh, le sagouin. En plus, je me suis fait ken le perso qu'il fallait pas là. Enfin, c'est pas un problème. Pas encore. Faut qu'il me laisse caster parce que sinon ça va pas le faire. Why? Pas sûr que ça passe, hein. Voilà le pire des sorts. Ça va. Par contre, je peux jouer, s'il te plaît. Il est déjà en train de caster un autre sort. その時を。
士が砕け散るその時を。ヤマちゃん、ザザクロス、ヤマちゃん消えろ。ça je pensais que ça me buterait mais de ouf, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu réduit pour le remake. C'était le truc qui te laissait à un point de vie, des fois t'avais ton healer ou ton caster qui se faisait pas toucher parce qu'il était suffisamment loin, mais c'était vraiment de la chance quoi. Par contre faut pas hésiter à reculer là. Là j'ai du bol, il reste loin de moi. Par contre, faut que je fasse attention à autre chose. Les PM. Alors, normalement, j'ai ce qu'il faut. Bon, j'ai ça déjà, statut de la déesse. J'en ai peut-être des meilleurs. Non ? Bon, bah, ça sera statut de la déesse. J'ai pas vu ses points de vie, mais je crois qu'il descend quand même pas mal. Hein. Ouais, ça va. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai pas eu le temps de heal là. Si, c'est bon. Purée, c'est pas passé. Si. Ah non, passe-toi. Bonsoir Daima. On va sur le coup là quand même. Merci. Il est vraiment trop simple comparé à l'original. Ben surtout, je suis beaucoup plus haut que la première fois que je l'ai fait. Udana koto. Douce, uchiu wa horobu no da. 我々が死ねば崩壊紋章が作動するようになっている。我々の目的は達成できるのだ。目的ですって？全てを滅ぼして一体何を支配するというの？支配だと？支配などできなくてもよいのだ。なぜそんなことをするんだ？お前などには分かるまい。それこそが我々の使命であり、存在意義だったのだ。そのためだけに我々は作られたのだ。なんだ？作動したようだな。レナさん、早く結界紋章を崩壊紋章の上に。何やってるんだい。早くしないと手遅れになっちまうよ。
何？どうして？どうやら始まったようだね。どういうことなの？結界紋章の力で宇宙の崩壊を止められるんじゃなかったんですか？はい、結界紋章の力で確かに全宇宙の崩壊は食い止めました。それじゃこの揺れは何なんです？心なしかさっきよりもひどくなってるような気がするんですけど。言ったはずだよ、結界紋章は破壊すべき対象をそらすことしかできないって。全宇宙を崩壊させるだけのエネルギーを受け止められる場所なんてそうそうないさ。じゃあそのエネルギーはまさか。結界紋章の力によって全てのエネルギーをこのエナジーネーデで引き受けます。そんなことをしたらエナジーネーデは、おそらく跡形も残らず消滅してしまうでしょう。そんな。安心しなって、滅びの時に生じるエネルギーを使ってあんたたちはエナジーネーデから空間転移させるから。そして同時に過去のエクスペルもこの時空に呼び寄せるのさ。そういう問題じゃありません。宇宙そのものが崩壊するよりマシだろ。崩壊紋章は私たちネーデ人が間違えて作ってしまったものだ。自爆をするのに道連れはいらないよ。それにネーデは長く生きすぎました。その気になれば宇宙を滅ぼせるほどに。これだけ発展した文明は他にありません。ネーデもそろそろ寿命なのですよ。なんで教えてくれなかったんですか？ナールさんたちがエナジーネーデのみんなが犠牲になると分かっていたら私は。あんたたちは優しいからね。このことを知ればきっとためらうと思ったのさ。そうだ、エナジーネーデの人たちも一緒に行けば。いいえ、数億もの人間をエクスペルに飛ばすほどのエネルギーはありません。それにネーデが滅びるときは我々も滅びます。進化をやめた生物はその存在に価値がないことを我々は悟ったのです。レナさん、あなたはネーデ人の最後の生き残りとして精一杯生きてください。皆さん、ではそろそろお別れです。ナールさん、私は。いいのですよ、我々の心は不思議と穏やかなのです。それはおそらくあなたたちと心が共にあるからなのでしょう。じゃあな、私たちの心をしっかりと持っていけよ。
一緒にエクスペルへ帰ろう。Quelque temps après. Ah non, ah, je croyais. Hey, Plissis, そろそろお茶にでもするか。うん、そうだね。あと少しで霧がつくから、もうちょっと待ってよ。しかし、お前も全然変わってないな。ほい。仮にも宇宙を救うような冒険をしてきたんだろう。なんていうか、もう少し威厳とかが出てきてもいいんじゃないか。んなこと言ったってしょうがないじゃん。私だってたかだか数ヶ月かそこらの冒険で変わっちゃうほど主体性のない人生を送ってきたつもりじゃないんだからさ。そんなことよりお茶にしよう。お茶にね。どんな冒険を送ってきたとしても、あいつはあいつのままだってことか。しばらく来てやれなくてすまなかった。いろいろあってな。見てたか、セシル。まさかこの俺が宇宙を救うことになるなんてな。何から話そうか。久しぶりだから積もる話が多くてな。ただいま。どうしたのよ。今回の発掘はもう少しかかる予定でしょ。急いで作業を終わらせたんだよ。あんまり待たせてまた追いかけてこられても困るからな。もうエルネストったら、そんなことはしないわよ。だってあなたがただいまって言ってくれるようになったんですもの。そうか、そうだな。ただいま、オペラ。申し訳ありませんけれど、そこをどいてくださらない？いけません、セリーヌ様。万が一あなた様の身に何かあったらいかがなさるというのです。 C'est vrai qu'elle a épousé un prince, elle. 心配ありませんわよ。そのようなドジは踏みませんから。いいえ、なりません。どうしてもというのなら、この私めを殺してからにしてくださいませ。やれやれ、困りましたわね。何を騒いでいるんだ。これはクローザ王様。クリス、どうした。何を騒いでいる。それが、王妃様が冒険の旅に出たいとおっしゃって。なんだ、そんなことか。そんなこととはどういうことですか。セリーヌに手を出すような愚か者はエクスペル博士といえども誰もいないと思うがな。お前らもセリーヌの強さを知らぬわけではあるまい。しかし言っておいで。ただし、お前には王妃としての務めもあるのだから、秋の収穫祭までには帰ってきてくれよ。よろしいんですの。お前にはこのクロス城では狭すぎることくらいは分かっていたさ。ただし、
必ず無事に帰ってくるんだよ。わかりましたわ。おはよう、クロード。もうアーリアでの生活には慣れた？まあまあかな。まだ時々地球にいた頃の癖が出たりはするけどね。ねえクロード、本当に地球に帰らなくてよかったの？後悔なんかしていないさ。だって僕が自分の意思で決めたことなんだから。Ouais, ouais, ouais. Bah évidemment, il y a d'autres fins. Hein. Celle de Claude et Rena, là, je l'ai trouvée relativement banale. Je connais pas les autres fins, d'ailleurs, mais il y en a plus de 80, semblerait-il. Et dans tous les cas, mesdames et messieurs, bah, c'en est terminé de la série Star Ocean, The Second Story Remake, enfin Star Ocean R, sur la chaîne. Peut-être pas tout à fait, puisque j'ai pour souhait de faire le donjon optionnel, et je crois qu'il va être accessible désormais. 99 fins, nous dit Daima. Ok, bah encore plus que dans l'original, je crois. Mais en tous les cas, j'ai énormément apprécié ce petit remake. Franchement, autant il y a des trucs sur lesquels Square Enix, je comprends pas ce qu'ils font, mais sur tous les remasters et remakes qui nous ont pondu ces derniers mois, ces dernières années, avec Live Alive, Tactics Ogre, Saga Frontier, qui malheureusement n'était pas en français, et plusieurs autres qui sont à venir, notamment apparemment Saga Frontier 2, peut-être Final Fantasy Tactics, vu qu'il y avait eu un leak, mais pour le moment on n'a pas eu de nouvelles. Bref, franchement, je trouve ça absolument génial ce qu'ils font. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée pour nous faire découvrir, pour certains, redécouvrir pour d'autres, bah, des licences telles que Star Ocean. Quel sera le prochain jeu après ce magnifique Star Ocean? Alors, pour les gros jeux, ce sera Persona 5 Tactica, et puis Super Mario RPG. Alors je sais pas dans quel ordre, ce sera en fonction de la réception. Mais je vais aussi, enfin, je vais alterner entre les deux, hein, une fois les deux reçus, je pense. Puis de toute façon, me semble-t-il, Super Mario RPG n'est pas extrêmement long, sauf s'il y a des gros rajouts dans le remaster, mais ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi, vous l'aurez compris, c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces sur les vidéos qui composent la playlist, voire à vous abonner à la chaîne si les vidéos qui sont dessus vous plaisent. Évidemment, on continuera peut-être sur un petit RPG d'ici la sortie des deux prochains jeux. J'ai Star Ocean, j'ai Jedi Survivor à terminer aussi. Donc je vais certainement placer quelques lives dessus. Mais pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je pensais partir sur du Koudelka, mais c'est un jeu qui a extrêmement vieilli. C'est un petit peu rude de vous proposer ça en live, mais à voir, peut-être une découverte. Peut-être le Let's Play entier, il est pas très long. J'en sais trop rien pour le moment, n'hésitez pas à me faire des suggestions sur le Discord. Encore une fois, merci, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, à très bientôt, ciao, bye bye.
Leur aventure, l'incroyable odyssée spatiale, ne fait que commencer.